activités. On s'est baigné, on a pagayé, on a remonté la rivière et on redescend tranquillement, pas vite. Émilie s'est même baignée en plus. Elle se baigne jamais. Oh! On a même fait un rapide! C'est vrai, hein? Là, on est rendu à l'envers. Je sais pas pourquoi on tourne comme ça. Puis on a monté en haut. C'est l'éperon. Quelle journée! Parfaite! Hey, on prend de la vitesse, là! Je le sais! Wow! Dernière activité de planifier pour l'instant. Il est presque 4 heures. Ouais, c'est vrai, on a le temps pour d'autres choses. Hop, t'es revenu. Faut que tu fasses bail. Regardez où j'ai amené ma blonde. Je trouvais que la grande rivière, c'était pas assez d'aventure. Alors, on est rendu dans un bras inhospitalier d'une rivière adjacente. Ici, on toucherait pas trop à l'eau. C'est un peu épeurant. Il y a personne. C'est proche de la randonnée de l'éperon où on a passé tantôt. Et là, on va retourner un petit peu dans le courant. Quelle aventure! J'ai un an. Il y a une petite cascade là-bas. Chaque fois que j'y vais, je me régale. Oui, je vous le dis, je me régale. Ouais. Et on fait quoi? Quelle belle journée! Quelle journée parfaite! Une belle petite rando en matinée, suivie par du paddleboard en après-midi. On peut rien demander de mieux, hein? Et finalement, on retourne se promener autour du chalet d'accueil. On fait quelque chose qu'on fait vraiment pas souvent. On s'assoit tranquillement avec notre drink et on apprécie. Juste assis, là, tranquille, sans bouger. Les deux, là. Et on contemple la beauté de l'endroit. C'est vous dire à quel point c'est beau. Regarde notre installation. Après cette journée folle, un double poisson, saumon, piri-piri, barbecue, ça je sais pas c'est quoi, poisson blanc, c'est quoi que j'ai acheté? Aigle fin. Avec lemon herbe. Ricardo peut aller se cacher. Il y a pas des épices, il y a des recettes. Ouais, santé! Il y a des recettes, Ricardo! Santé, Ricardo! Parc de la Jacques-Cartier. Bonne soirée! Bon appétit! Bon appétit! C'est tout! Hey, cliquez en bas à droite pour voir ce qu'on a fait avant le paddleboard. Et à gauche, ben, c'est la prochaine aventure. Donc, continuez à nous suivre pour découvrir d'autres beaux endroits du Québec et d'autres endroits partout sur la planète. Ciao, bye!